Linda Radlett était non seulement ma cousine préférée, mais elle demeura pendant des années mon être humain préféré. Tu m'auras toujours, même si je suis ennuyeuse. Fanny, je te ravirai à jamais de ce terrible endroit. Mes filles ont tout ce dont elles ont besoin ici. Pourquoi voudraient-elles s'en aller? Je veux être libre. Je veux m'amuser, porter des talons hauts et aimer à la folie. Est-ce qu'il n'y a que l'amour dans la vie? Oui! Celui qui a inventé l'amour devrait être abattu. Nous débutâmes dans le monde. Linda était un fruit mûr pour être cueilli. Et l'arbre venait d'être secoué. Don't despair. Tu ne désires pas ardemment avoir une vie aussi excitante. Je préfère observer les choses excitantes. Seigneur, qu'est-ce que... N'ayez pas peur, mon cher Matthew. Moti est presque totalement domestiqué. Tout comme vous. Linda est d'une nature si romantique, ce qui est toujours fatal chez une femme. Et moi, comment je suis? Tu es toi, Fanny. Tu t'en sortiras. Tu ne peux pas te marier en te basant sur la romance et l'exaltation. Si tu ne te fixes pas de limites, tu n'en auras jamais assez. Je ne tiens pas à en avoir assez. Espérons que les femmes pourront choisir qui elles seront, indépendamment de qui elles épousent. Avez-vous parfois l'impression qu'une partie de vous a été fourrée dans une valise et est en train de suffoquer? Pardon? Ça vous posera des problèmes. La guerre est inéluctable. Je suis perdue sans toi, Fanny. Ce n'est pas ici que je me sens chez moi. Je t'aime. C'est quand je suis auprès de toi. Quoi qu'il arrive, je serai toujours de ton côté.